l'écroulement de l'horizon révolutionnaire, comme on dit, l'effacement progressif dans le salut commun, des croyances dans le salut commun, la perte de confiance dans la politique, réduite dans l'imaginaire dominant comme une espèce de jeu gratuit entre les partis en alternance, dans les projets collectifs, etc., nous a fait passer à une époque du tout éthique. Tout est éthique. Mais la littération vaut la peine d'être éthique. Tout est éthique. Que faire et que sauver donc à l'heure où tout est éthique? Les concepts politiques forgés pour penser l'asservissement des hommes sont détournés. On parle de libération animale, au sens où l'on parlait jadis de libération de certains peuples ou de certaines classes sociales. On parle d'exploitation animale, c'est maintenant devenu le mot dominant, au sens où l'on parlait jadis d'exploitation de l'homme par l'homme. Et même, on n'hésite plus à parler d'extermination. Alors, n'extermine. Il y a là quelque chose qui maintenant ne choque plus. Il y a encore 2 ou 3 ans, ou 3 ou 4 ans, c'est ce mot-là. Non, le vocabulaire est entièrement politique parce qu'il y a eu une désertion de vocabulaire politique au profit de ce que j'appelle le tout éthique. Alors, en dépit ou peut-être en raison du détournement de ce vocabulaire politique, l'éthique animale qui en résulte est la pointe extrême d'une forme d'éthique très particulière qui est l'éthique individualiste. L'idée qui s'impose est que la morale, je préfère parler de la morale, ne repose pas sur des lois universelles, ni sur des règles communes, sur des contrats implicites ou non, sur l'idée de réciprocité, et surtout sur l'idée de justice, n'est-ce pas ? Partageons ce qui est juste à chacun selon, etc. Ou encore sur la reconnaissance d'autrui comme personne, ou encore sur des devoirs à appliquer, des vertus à transmettre, ou même, comme aurait dit Foucault, une forme particulière de subjectivation du sujet, que veux-je être en me conduisant moralement, sur rien de tout cela, mais sur la valeur intrinsèque à accorder aux individus qui pourraient éventuellement être les destinataires de notre conduite. De telle façon que, comme le questionnement éthique dans l'ultra-individualisme contemporain tend à se réduire, soit une simple abstention, ne pas nuire, soit positivement au sentiment du care. L'idéologie du care va pénétrer dans les années qui viennent, vous allez voir. C'est la care, c'est pas à travers la sollicitude, le soin, l'attention à un autre, qui est la forme laïcisée de la charité ou de l'amour du prochain, qui a pris et qui est en train de prendre la place de la notion de justice. La question qui se pose alors naturellement est quels sont les destinataires de cette abstention ou de cette attention ? La réponse tient dans l'invention de la notion qu'on appelle, et qui va faire florès, de passion morale, dont l'animalisme démontre désormais sans peine qu'elle déborde nécessairement celle d'agent moral, c'est-à-dire vous et moi, puisqu'elle inclut, évidemment, elle inclut les enfants, les idiots congénitaux, je vous assure, c'est tout, et forcément les bêtes, qui sont des patients moraux, mais qui ne peuvent pas agir moralement. Et donc, voilà là, ce qui s'impose. À cette même logique ultra-individualiste correspond la montée irrépressible de ce qu'on appelle les droits subjectifs. On ne parle plus de nos vertus éducatives ou de nos devoirs vis-à-vis de nos enfants, mais des droits de l'enfant. On ne parle plus d'égalité et de justice, mais des droits de la femme. Et bien entendu, dans le droit fil de ces droits, des droits de l'animal. Ce qui repose, outre sur l'essentialisation de l'animal, comme si c'était un être, sur une réinterprétation individualiste et moraliste de l'idée de droit de l'homme. Je rappelle que les droits de l'homme étaient l'affirmation d'un territoire d'indépendance à l'égard du pouvoir souverain ou de la toute-puissance des États. Ça marquait une limite, ce que ne pouvait pas faire le pouvoir. Mais dans la lecture ultra-individualiste des droits d'homme, n'est-ce pas, on en arrive à penser que ce n'est pas, que c'est qu'une espèce de l'affirmation que chaque être, en tant qu'être, une moustique, c'est quoi, posséderait en tant que tel, donné par Dame Nature, un droit, n'est-ce pas,
droit qui pourrait opposer, n'est-ce pas, à chaque fois que nous voulons, tenir un moustique, droit de vivre. Bon. Alors, au lieu que ce soit l'affirmation, les droits de l'homme, c'était l'affirmation, comme on dit, performative de l'égalité fondamentale de tous les hommes et la proclamation conséquente que toutes les formes de discrimination devaient être combattues et qu'elles n'avaient aucun fondement naturel. Bon. Le changement historique et philosophique actuel le plus important et qui peut-être est moins sensible médiatiquement, mais qui me semble fondamental pour comprendre ce qui se passe et qui explique la vague animaliste, me semble être le suivant. Dans l'étude de l'homme, nous avons, comme on dit, changé de paradigme. Nous sommes passés d'un paradigme qui a été dominant au XXe siècle, et particulièrement en France, mais pas seulement, qu'on peut appeler de façon très rapide le paradigme des sciences humaines, dont on dit que l'apogée a été dans les années 60, 70 en France, à un paradigme biologique et plus généralement naturaliste. Les sciences humaines, appelons ça comme ça, étaient fondées sur l'idée que l'homme avait une spécificité qui l'opposait au reste de la nature. Une spécificité d'objet qui permettait de justifier la spécificité des méthodes et des concepts de ces sciences. Ainsi, l'histoire, les historiens vous disaient, l'histoire humaine est fondée sur le fait que ça n'a rien à voir avec l'évolution naturelle. La nature évolue, mais l'homme seul, société humaine, ont une histoire. La psychanalyse était fondée sur la spécificité humaine, de l'inconscient, du symbolique, etc. Les sciences sociales, sur l'opposition de l'instinct des institutions, l'anthropologie culturelle sur l'opposition nature-culture. Et l'homme, on passait au niveau des règles qui étaient du domaine de la culture par opposition au comportement naturel. La linguistique sur l'opposition langage humain, communication animale. Donc, selon le postulat épistémologique fondateur de ces sciences, l'homme était opposé au reste de la nature, en particulier animale. Sinon, pas de sciences humaines. L'actuel paradigme dominant qui s'impose est au contraire naturaliste, y compris pour l'étude des phénomènes humains. C'est la conjonction réinterprétation de l'évolutionnisme néo-darwinien, de neurosciences, des sciences cognitives et de leur dépendance. Il tend évidemment à nier toute spécificité humaine pour des raisons exactement symétriques aux précédentes. Il s'agit cette fois de justifier des théories, des méthodes, des concepts eux-mêmes naturalisés dans l'étude des êtres naturels, dont font partie les hommes au même titre que... Alors, singes, évidemment, ou toutes les autres animaux. Alors, aux oppositions de jadis, homme-animal, nature-culture, qui étaient faites pour penser l'homme, s'est substituée une vision unitaire du monde naturel dans lequel l'homme n'est forcément qu'un élément. On proclame, et il y a des livres qui se publient tous les jours, qui portent même ce titre, la fin de la spécificité humaine, la fin du propre de l'homme. On affirme que c'est par exemple la quatrième humiliation après les trois premières. L'homme est à présent, et il suffit d'ouvrir la moitié ou les trois quarts des livres qui se publient, que ce soit de la part de biologistes à qui on demande de vulgarisation, que ce soit de la part de philosophes qui sentent tourner le vent. Tous les jours se publie, on vient même de parler hier avec Jean-Pierre Ligard, de donner un prix de la recherche universitaire, une thèse qui fait rire, sur le fait que tout ce qu'on proclamait naguère, comme propre de l'homme, la vie politique, la culture, le langage, l'art, les symboliques, les règles morales, etc., c'est déjà chez l'animal. Alors, vous demandez chez la puce, non, l'animal. Bon, alors, l'homme et l'animal, n'est-ce pas, ne sont-ils pas l'un et l'autre le fruit de la sélection naturelle? N'ont-ils pas en commun un cerveau, un génome? Rendez-vous compte, Madame Michu, l'homme n'a que 1% de différence génétique avec les chimpanzés, ils l'ont dit à la télé. Bon. Et 20% avec la souris. Si, je vous assure, ils l'ont dit. Bon.